Shalom, shalom, bien-aimé dans le Seigneur. C'est avec beaucoup de joie et d'empressement que je souhaite laisser ce message qui trouvera, je l'espère, un écho dans votre cœur. Bien que l'impact et les missions de la tour de prière Summer ne soient plus approuvés, mais qu'au contraire, ils soient appréciés de tous. Nous souhaitons aujourd'hui réaliser un projet fort, ouvrir une maison de prière. Une maison de prière pour tous les peuples sans distinction. Une maison de prière où la prière est au centre de toutes nos actions. Une maison de prière où les enseignements sont donnés dans toute la vérité biblique. Une maison de prière où la communion fraternelle est librement exprimée. En ces quelques points, chers bien-aimés dans le Seigneur, ne sont qu'un avant-goût de tout ce que cette maison de prière pourra offrir au plus grand nombre d'entre nous. Pour l'heure, notre engagement trouve ses limites dans le financement. Je me permets donc de solliciter votre bienveillance, votre considération et votre soutien financier et matériel. Je vous remercie d'avance de l'intérêt et de l'investissement que vous engagerez dans ce projet. Aimer, c'est aussi donner. Que le Dieu de toute grâce vous comble de sa richesse et de sa gloire dans le précieux nom de son Fils Jésus-Christ. Soyez abondamment bénis. Shalom. Ceci vous est présenté par la tour de prière Summer, la maison de prière. Priez avec nous du lundi au vendredi sur la tour de prière Summer TV. Shalom, shalom, bien-aimé dans le Seigneur. C'est avec beaucoup de joie et d'empressement que je souhaite laisser ce message qui trouvera, je l'espère, un écho dans votre cœur. Bien que l'impact et les missions de la tour de prière Summer ne soient plus approuvés, mais qu'au contraire, ils soient appréciés de tous. Nous souhaitons aujourd'hui réaliser un projet fort, ouvrir une maison de prière. Une maison de prière pour tous les peuples sans distinction. Une maison de prière où la prière est au centre de toutes nos actions. Une maison de prière où les enseignements sont donnés dans toute la vérité biblique. Une maison de prière où la communion fraternelle est librement exprimée. En ces quelques points, chers bien-aimés dans le Seigneur, ne sont qu'un avant-goût de tout ce que cette maison de prière pourra offrir au plus grand nombre d'entre nous. Pour l'heure, notre engagement trouve ses limites dans le financement. Je me permets donc de solliciter votre bienveillance, votre considération et votre soutien financier et matériel. Je vous remercie d'avance de l'intérêt et de l'investissement que vous engagerez dans ce projet. Aimer, c'est aussi donner. Que le Dieu de toute grâce vous comble de sa richesse et de sa gloire dans le précieux nom de son Fils Jésus-Christ. Soyez abondamment bénis. Shalom. Shalom, shalom, shalom. Shalom, famille TPS, ce soir, soyez bénis. Soyez bénis, soyez fortifiés, que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur bénisse, la personne qui a donné son offrande déjà. Que le Seigneur te bénisse. Et que le Seigneur bénisse aussi la personne qui est devenue membre maintenant. Que le Seigneur se souvienne de vous. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Alléluia, gloire à Dieu. Shalom à tous, shalom aux modératrices. Shalom, shalom, shalom. Gloire à Dieu. Nous disons bonsoir au Saint-Esprit. Nous disons shalom à la personne qui est connectée à côté de nous. Amen. Shalom, shalom. Dites-moi si vous m'entendez bien, si le son est bon, si l'image est bonne. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Nous sommes à notre 19e jour de jeûne et prière. Et nous rentrons dans quelques minutes, nous allons rentrer dans notre 20e
jour de jeûne et prière. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Waouh. Soyez bénis. Merci de partager la vidéo. Merci de partager la vidéo. Alors, bien-aimée famille TPS, pour le livret, pour l'histoire de Betty Baxter, je vous mets ça en ligne dès ce lundi. Vous pourrez télécharger la version anglaise et la version française. Voilà. Ceux qui parlent anglais pourront télécharger la version anglaise. Ceux qui parlent français pourront télécharger la version française. Voilà, voilà. Donc, dès lundi, je vous mets ça à disposition. En téléchargement, ça sera plus simple comme ça. Les modératrices sont tranquilles. Voilà. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Merci Seigneur. J'attends que nous puissions monter encore un peu et je commence. Voilà. Pour les témoignages, j'ai bien reçu les témoignages. Voilà, ne vous inquiétez pas. Je les passe dès ce lundi. Voilà, dès ce lundi, je passe les témoignages que j'ai ici. Voilà. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Merci Jésus. Alors avant de commencer, s'il vous plaît, j'aimerais juste attirer notre attention sur la cagnotte Litchi pour la maison de prière. La cagnotte Litchi, les gens ne rentrent pas dedans. Je ne vois pas beaucoup de personnes qui font un tour là-bas. Je ne vois pas beaucoup de personnes qui font un tour dans la cagnotte. En tout cas, s'il vous plaît, allez faire un tour dans la cagnotte Litchi. Allez voir, mettez quelque chose là-bas, ça sera une bonne chose. Amen. Voilà. Vraiment, pensez à la maison de prière. C'est vrai qu'il y en a qui envoient par Western. Par Western, tout ça, par virement, c'est très bien. Mais faites un tour quand même pour aller voir la cagnotte, pour voir si on est où. Et donnez aussi votre contribution. On a besoin de la maison de prière, c'est vraiment urgent. On a besoin de la maison de prière. Imaginez-vous, d'ici la fin du jeûne. Donc, je pense que la dernière semaine du jeûne, on compte faire des délivrances. Si on n'a pas, si on avait notre maison de prière, ça allait être un tout petit problème. Mais là, il faudra d'abord réfléchir où est-ce qu'on va faire ça, où est-ce qu'on va trouver la salle pour faire ça. Vous voyez, on aimerait faire la délivrance et ça va être fait. On va prendre quelques personnes. On va choisir quelques personnes qui passeront à la délivrance. Voilà. La dernière semaine du jeûne. Mais si on avait la maison de prière, ça allait être très très facile. On allait même prendre tous ceux qui veulent passer à la délivrance. Mais comme on n'a pas de salle, ça sera des personnes bien triées. Quelques personnes seulement. Peut-être une vingtaine, mais pas plus. Parce qu'on ne peut pas. On ne peut pas prendre beaucoup beaucoup de personnes. On n'a pas de salle. Vous voyez? Donc on a vraiment besoin de notre salle. Quand on aura notre maison de prière, on pourra faire des délivrances autant de fois. Voilà. Les gens pourront venir comme ils veulent. Selon le rendez-vous, bien sûr, mais on pourra travailler vraiment librement. Là, on est bloqué. Voilà. Gloire à Dieu. Donc, n'oubliez pas la cagnotte Litchi. Litchi, vous cliquez sur le lien, vous allez voir le montant, c'est combien, on en est où. Intéressez-vous quand même. Quand vous allez voir où est-ce qu'on en est déjà, le nombre de montants qu'on a déjà, récolté, vous aurez une idée. Et peut-être que vous aurez envie de donner finalement. Alléluia, gloire à Dieu. Je vais prier, nous allons commencer. Merci Seigneur. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Comment passer à la délivrance? On va en parler. Mais vraiment, on ne pourra pas prendre tout le monde. On prendra quelques personnes. Parce qu'on n'a pas de salle. Voilà. On en parlera juste avant la dernière semaine du jeûne. Parce qu'il y a des personnes qui doivent absolument passer à la délivrance. C'est très, très important. Gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. OK. Voilà. Émilie, enfant de Dieu, tu es déjà dedans. Je ne sais pas si tu es connectée. Tu es déjà dans la liste. Moi-même, je te mets. OK. Merci, Seigneur. Voilà. Jessica aussi, tu es déjà dedans. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? On acclame le Seigneur. Merci, Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Je vais prier. Voilà, je vais prier que le Seigneur vraiment me fortifie. Que le Saint-Esprit me fortifie. Je vous avoue que je suis fatiguée. Mais il va me fortifier. Il va nous fortifier et tout va bien se passer. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. La cagnotte, le lien est juste sous la vidéo. Tu cliques sur la vidéo et vous aurez le lien.
Tiens, je vais vous mettre le lien. Je vais vous mettre le lien tout à l'heure. Je vais vous mettre le lien. Ne vous inquiétez pas. Je vous mets le lien. Je vais vous mettre le lien là maintenant, là dans les commentaires. Ok. Pasteur, s'il te plaît, tu peux faire la prière de d'ouverture. Alors le pasteur fait la prière et ensuite je commence. Shalom, 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 frères et sœurs, famille TPS, enfants de Dieu, les enfants spirituels, que le Seigneur vous bénisse, les fidèles, les membres, et que le Seigneur vous garde, que le Seigneur vous protège. Juste avant que je puisse faire la prière, j'aimerais juste vous signaler que pour ceux-là qui n'ont pas pu rentrer dans le Zoom, faut pas penser qu'on vous a abandonné, on vous a refusé d'y rentrer. Non, c'est pas ça, c'est question de la technique. Donc, dès lors que vous atteignez le nombre est demandé, donc on ne pouvait plus prendre d'autres personnes. Il y a des moments aussi que vous n'avez plus le réseau et vous sortez directement sur le Zoom. Donc, il ne faut pas prendre ça comme si on vous a enlevé, on vous a écarté. Voilà, il ne faut vraiment pas pécher là-dessus. Vraiment, je vous en prie. Voilà, que le Seigneur vous bénisse richement. Donc voilà, c'est un peu ça que j'allais dire. Et voilà, donc prochaine fois, je crois qu'on va prendre vraiment on va faire le nécessaire pour que tout le monde puisse participer. Soyez tous bénis, 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 bénis. Que le nom du Seigneur soit béni. Alors je vais prier le Seigneur. Tendre Père, je te loue ce soir. Je te glorifie encore, Seigneur. Merci Père pour ce temps merveilleux. Merci Père pour cette belle soirée où nous savons, Seigneur de gloire Père, ton sang a été, Seigneur de gloire Père, versé sur la croix pour que nous puissions être, Seigneur, purifiés et lavés. Tendre Père, merci Seigneur de ce que tu penses en nous, de ce que tu veilles sur nous, de ce que tu nous donnes réellement la résolution de pouvoir te chercher, de pouvoir t'invoquer à tout prix, Seigneur. Oh Dieu de gloire, que ton nom soit béni encore, Seigneur, pour ce temps merveilleux. Nous voulons encore, Seigneur, te rendre gloire. Car, Seigneur Dieu de gloire, nous voyons combien de gens souffrent plus que nous, Seigneur. Mais éternel Dieu de gloire, ils n'abandonnent jamais. Ils sont toujours accrochés, Seigneur, sur ta parole. Nous aussi, Seigneur de gloire, au travers de ces témoignages d'hier, éternel Dieu de gloire, nous te disons merci. Merci parce que tu nous as révélé quelque chose que nous ne savons pas, Seigneur Dieu de gloire. Béni soit ton nom, Seigneur. Je recommande, Seigneur, cette soirée. Béni toute personne, Seigneur de gloire. Oh Dieu, que ton sang, Père, puisse couvrir, puisse réellement, oh Dieu de gloire, neutraliser, Seigneur, les manœuvres de l'ennemi dans le nom de Jésus. Et que ta gloire soit vue et que ta gloire soit manifeste dans cette soirée. Garde-nous fidèles à toi, protège-nous encore dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Tendre Père, je veux, Seigneur de gloire, recommander la soirée et recommander, Seigneur de gloire, chaque personne. Père éternel, Dieu de gloire, toi qui connais le cœur et toi qui le sondes, Seigneur de gloire, Père, par ton esprit, alors je te prie ce soir, manifeste de ta grâce dans leur vie, afin que, Seigneur, pendant ce temps, ô Dieu de prière, et que, Seigneur, la solution puisse arriver, ô Dieu, la gloire puisse arriver, la splendeur puisse arriver, ton éclairage, ta lumière puisse éclairer les vies de maintenant et à jamais, dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. J'ai ainsi prié. Avec action de grâce, nous disons tous Amen, Amen, Amen. Soyez bénis, soyez bénis. Je passe la parole à la prophétesse. Gloire à Dieu, soyez bénis et vraiment que le Seigneur vous bénisse. J'ai vu toutes les réponses. Nous n'avons pas mal pris, nous n'avons pas mal pris. C'est bien. Il ne faut pas perdre votre gloire. Gloire à Dieu, c'est bien, c'est très bien. Ça me fait plaisir de lire ça. C'est très, très bien. Gloire à Dieu. Il y a quelqu'un qui a écrit, le Saint-Esprit est avec nous, je crois que c'est Blessing. Très bien, très bien, très bien. Voilà. Non, mais le pasteur l'a juste dit comme ça. Voilà, merci Seigneur. Alors, nous rentrons dans notre thème. Amen. Gloire à Dieu. Nous rentrons dans notre thème. Nous sommes toujours dans notre thème principal qui est Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Et ce soir, nous... ok, ce soir, nous passons
à une rubrique que le Saint-Esprit m'a inspirée aujourd'hui même. Voilà. C'est prière extrême de délivrance. Vous allez voir, j'écris extrême, c'est fait exprès, hein, vous inquiétez pas. Prière extrême de délivrance. Extrême de délivrance. On va en faire pas mal. Jusqu'à la fin du jeûne, je vais en faire pas mal. Mais c'est vraiment des prières extrêmes de délivrance. Où vous allez pouvoir faire l'auto-délivrance vous-même. Vous n'avez pas besoin de la prophétesse. Faites la prière avec foi. Et à l'esprit que je fais la prière pour la délivrance. Je le fais. Estelle, oui, on avait enregistré pour le Zoom. On avait enregistré. Il faut que je fasse le montage. Je ferai le montage, je vous passerai ça. Je mettrai ça en ligne. Une prière d'extrême délivrance, c'est-à-dire une prière intense de délivrance. Et quand tu es en train de la faire, aie à l'esprit vraiment que je suis en train de faire une prière d'auto-délivrance. Auto-délivrance, c'est-à-dire tu pries pour ta propre délivrance. Amen. Il n'y a pas d'intervention d'une personne externe ou d'une personne tiers, mais tu es en train de prier et tu sais que quand tu es en train de prier, le Seigneur est en train de délivrer. Voilà. Parce qu'il faut apprendre à faire des prières d'auto-délivrance où tu es en train de te délivrer toi-même. Exemple, blessing, tu ne peux pas venir ici pour la délivrance. Voilà. Donc, il faudra t'habituer à faire des prières d'auto-délivrance et vraiment, accrochez-vous. Quand on va rentrer dans la prière tout à l'heure, faites la prière avec foi et croyez que quand vous êtes en train de prier, quand vous serez en train de prier, le Seigneur sera en train de vous délivrer. Amen. Ce n'est pas de la blague. Il faut la faire avec autorité. Il faut la faire avec zèle. Il faut la faire avec sainte colère. Et il faut la faire avec une extrême foi que le Seigneur combat pour vous. Amen. Gloire à Dieu. Donc, pour la première, je prends le thème du sang de Jésus. Amen. Le sang de Jésus paralyse la sorcellerie. Est-ce que tu peux l'écrire avec moi? Le sang de Jésus paralyse la sorcellerie. Alléluia. Le sang de Jésus paralyse la sorcellerie. Prière extrême de délivrance. Le sang de Jésus paralyse la sorcellerie. Vous savez, si exemple, je vous dis là que je suis fatiguée, c'est parce qu'on est rentré il n'y a pas longtemps avec le pasteur. On a fait des délivrances aujourd'hui. On a eu à faire deux délivrances chez des personnes. Et la première délivrance est assez particulière. Il y avait au moins sept esprits. Hein? Plusieurs esprits dans la vie de cette personne-là. Et c'était incroyable. On est parti jusqu'au village. Jusqu'au village, on avait enterré son étoile. Jusqu'au village, on avait pris ses enfants. Donc, à chaque fois que la personne était enceinte, elle perdait les enfants. Donc, on lui a pris quatre enfants et on a récupéré les quatre enfants en esprit. Et nous croyons que le Seigneur va lui donner maintenant des enfants. Mais on est parti très, très loin. Jusque chez le grand-père qui était décédé, qui la retenait encore. Vous voyez? Donc, il est important de faire des prières de délivrance. Et c'est très important de paralyser la sorcellerie familiale. Vous n'avez pas idée comment on peut bloquer la vie d'une personne. Juste parce que tu n'as pas pu rendre service au téléphone, la personne avec qui tu ne parles pas, la personne avec qui tu n'es pas en contact tous les jours, mais la personne rentre quand même dans ta vie et commence à détruire les choses. Amen. Au point où l'ennemi était parti mettre une caméra dans sa chambre. On lui a fait prendre la caméra. Il a cassé la caméra. Alléluia, il a cassé la caméra. Donc, il voyait tout ce qui se passait. Jusqu'à ce qu'on lui a mis un serpent sur le lit. Et il y avait deux sirènes en elle. Tout est parti. Mais ça a pris du temps. Et il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'esprits qui étaient dans cette personne-là. Alors, bien aimé, il faut prier. Et je vous encourage vraiment à prier. Quand vous faites la prière de combat, ne faites pas avec... Ne faites pas... ne soyez pas mou. Faites-les vraiment, vraiment, vraiment de tout votre cœur. Faites-le avec autorité, n'ayez pas pitié. N'ayez pas pitié. Amen. Parce que quelqu'un t'a fait venir en Europe, t'as payé le billet et la personne se donne le droit de détruire ta vie. C'était très compliqué. Mais le Seigneur nous a donné la victoire et elle est complètement libre. La sœur est complètement, mais complètement libre. Elle a été délivrée. C'est pour cela il y a vraiment des prières qui demandent la délivrance. Non, on a vraiment besoin de la maison de prière. Il y a des délivrances qui demandent que tu sois sur place. Et qu'on puisse détruire tous ces esprits-là qui agissent en toi. L'autre personne où on est parti, c'est son ex-mari qui était en elle. Son ex-mari qui ne veut pas qu'elle se marie, qui surveille sa maison matin, midi, soir, qui se tient devant la porte. Il est en train de parler, dit qu'elle ne se mariera pas.
je prends son bonheur. Elle ne pourra jamais avoir quelqu'un. À chaque fois qu'elle a quelqu'un, c'est moi qui le chasse. Oh, on a foudroyé de feu. Il a quitté. Je lui ai fait signer l'acte de divorce total parce que tu peux divorcer au tribunal, mais dans la nuit, la personne n'a pas divorcé avec toi et la personne se donne le droit de continuer à contrôler ta vie. On lui a fait signer l'acte de divorce. Il a signé, l'esprit a signé et a laissé la personne tranquille. C'est incroyable. Et il lançait des maladies sur la sœur. Il mettait des esprits de mort sur elle. Il mettait des masques de vieillesse. Hein, pastor, masques de vieillesse. Il a tout enlevé. On lui a fait enlever le masque de vieillesse. On lui a tout fait enlever. Donc, ça nous a pris du temps. C'est pour ça que je suis quand même fatiguée, je vous avoue. Voilà, parce que ça a pris beaucoup, beaucoup de temps. À chaque fois, on découvre un autre esprit. À chaque fois, on découvre un autre esprit. À chaque fois, à chaque fois, à chaque fois. Il faut savoir que dans le monde spirituel, quelqu'un peut avoir même 1000 de démons en lui. Souvenez-vous du démoniaque qui avait une légion de démons, c'est-à-dire 3000 démons en lui, et que Jésus avait chassé et qu'il avait mis dans les pourceaux. C'était le fou de Gadara. Il avait 3000 démons en lui. Quand le Seigneur a posé la question, quel est ton nom à cet esprit? J'ai pas le son, pourtant mon son. Et qui a pas le son? On a le... Non, tout le monde a le son là. Françoise n'a pas le son. Non, non, normalement le son est bon. Essaie de revoir ton téléphone. Oui, donc je disais que Jésus a dit, a posé la question au démon qui était dans le fou de Gadara. Quel est ton nom? Il a dit, je m'appelle Légion. Légion qui veut dire 2000 démons. Dans le monde spirituel, l'espace, c'est, en fait, l'espace ne compte pas. 2000 démons peuvent être dans la vie d'une personne. 10 démons, 20 démons, ils peuvent être dans la vie d'une personne. Parce que c'est des esprits. Il n'y a pas de poids, c'est pas de la matière, c'est pas quelque chose que tu peux toucher. Donc, plusieurs démons peuvent être dans la vie d'une personne. Et quand on fait la délivrance, quelqu'un peut dire que c'est lui qui est dedans, mais en fait, il y en a d'autres. Et il commence à dire, non, je ne suis pas seul, je suis avec un tel. L'autre aussi avec un tel, l'autre aussi avec un tel. Et ça continue, ça continue, ça continue, ça continue, ça continue. Et ça peut prendre beaucoup de temps. C'est pour cela, on a besoin de la maison de prière. Amen. On a besoin vraiment de la maison de prière pour que nous puissions travailler tranquillement et faire le travail vraiment dans l'aisance totale. Que nous puissions être bien. On est chez nous, on peut faire la délivrance. Même si tu fais 1 heure de délivrance, 2 heures de délivrance, mais vous êtes chez vous. Vous n'avez pas à vous presser et on travaillera mieux. Amen. Mais Jésus-Christ est Seigneur. Et il est venu pour détruire les œuvres du diable, quelle que soit la sorcellerie familiale, quel que soit le nombre de sorciers qu'il y a dans ta famille, bien-aimé. Le Seigneur Jésus est venu pour détruire cela. Amen. On a découvert une ville là-bas, un village là-bas. L'Esprit a dit qu'il avait, mis l'étoile de la personne à Madia. On a découvert Madia, c'est un village. Donc c'était là-bas. Alléluia, c'était là-bas. On est parti jusque là-bas en esprit. On a récupéré et il a tout redonné. Waouh! Le Seigneur est bon. Quel plaisir quand on voit des âmes libérées, quand on voit des personnes libérées, quand on voit des personnes délivrées. On dit merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Je ne vais pas parler longtemps. On va vraiment passer à la prière. Voilà, on va passer à la prière directement. Merci Seigneur Jésus. Alors, prière de délivrance avec le sang de Jésus. Sang de Jésus paralyse la sorcellerie. La Bible déclare ceci. Dans l'Apocalypse 12 au verset 11. Apocalypse 12 au verset 11. Il est écrit ceci. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Bien aimé, ce verset nous montre que le sang de Jésus est une arme efficace. Écris avec moi. Le sang de Jésus est une arme efficace. Amen. Le sang de Jésus est une arme efficace qu'on doit utiliser et qui chasse l'ennemi. Le sang de Jésus est une arme spéciale, efficace plutôt, et spéciale qu'on doit utiliser pour détruire les œuvres du diable. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Donc, il y a la parole de ton témoignage, mais il y a aussi le sang de l'agneau. Parce que le sang de l'agneau détruit les œuvres des ténèbres. Alléluia. Le sang de l'agneau détruit... En fait, le diable ne supporte pas le sang de Jésus. Quand tu pries et que tu commences à plaider le sang de Jésus, tu vas voir que
le diable, il ne va pas supporter. Il ne supporte pas dès qu'on parle du sang de Jésus. Ça lui rappelle sa défaite. Ça lui rappelle comment le Seigneur a gagné sur lui à la croix. Ça lui rappelle comment le Seigneur lui a coupé la tête à la croix de Golgotha. Ça lui rappelle la victoire de Jésus et sa propre défaite. Et sa défaite à lui. Ça rappelle au diable sa défaite. Alors, il ne supporte pas le sang de Jésus. Quand on parle du sang de Jésus, les sorciers ne résistent pas. Quand on parle du sang de Jésus, les ténèbres ne résistent pas. Quand on parle du sang de Jésus, parce que le sang de Jésus a payé le prix pour toi. Alléluia. Le sang de Jésus est une arme efficace. Il ne faut pas négliger ça. Il faut l'utiliser. Amen. Gloire à Dieu. La Bible dit dans Hébreux 12, au verset 24. De Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Caïn avait tué son frère Abel, le sang d'Abel avait parlé. Le sang de Jésus, la Bible dit que le sang de Jésus parle mieux que celui d'Abel. Alléluia. Quand tu plaides le sang de Jésus, quand tu invoques le sang de Jésus, quand tu contribues le sang de Jésus dans ta prière, le sang de Jésus parle mieux que celui d'Abel. Amen. Si quelqu'un t'a maudit par ses paroles, si quelqu'un t'a lancé des incantations contre toi, le sang de Jésus vient détruire toutes les mauvaises paroles qui ont été dites contre toi. Le sang de Jésus vient plaider ta cause. Amen. Le sang de Jésus parle mieux que celui d'Abel. La Bible dit dans Zacharie 9 au verset 11, nous allons prier. Et pour toi, à cause de ton alliance scellée par le sang, je retirerai tes captifs de la fosse où il n'y a pas d'eau. Ici, nous sommes dans l'Ancien Testament. Jésus n'est pas encore venu. Ici, c'était que le sang des animaux. Dieu dit ceci. Et pour toi, à cause de ton sang, de ton alliance scellée par le sang, parce qu'ils avaient versé du sang. Dieu dit, je retirerai tes captifs de la fosse où il n'y a pas d'eau. Donc Dieu est venu sauver ici. Pourquoi? Parce qu'il y a eu le sang qui a été versé. Ici, ce n'était que le sang des animaux. Le sang de Jésus-Christ parle mieux. Le sang de Christ, quand tu le plais dans ta prière, le sang de Jésus te délivre de la captivité. Le sang de Jésus te libère de la prison démoniaque. Le sang de Jésus te libère de la captivité de la sorcellerie. Le sang de Jésus te libère des maladies mystiques. Le sang de Jésus te délivre de tout combat maléfique. Le sang de Jésus. Si tu as des maris de nuit, applique le sang de Jésus sur ton lit. Tu vas voir que le sang de Jésus, alléluia, le mari de nuit ne pourra pas venir abuser de toi parce que le sang de Jésus va le brûler, ça va le foudroyer. Quand tu appliques le sang de Jésus sur toi, les flèches des ténèbres ne peuvent pas t'atteindre. Le sang de Jésus est une arme efficace. Ce soir, nous voulons prier et plaider le sang de Jésus. Dans ta vie, tu vas plaider le sang de Jésus. Dans ta maison, dans ta destinée, que tu puisses voir la gloire de Dieu au travers du sang de Jésus. Amen. Même si on a dit que dans ta famille, il y a une grande sorcellerie. Même si ta famille a le dernier niveau de la sorcellerie mondiale. J'aimerais te dire que le sang de Jésus détruit sa sorcellerie au nom de Jésus. Le sang de Jésus détruit tout sorcier, quel que soit son grade. Le sang de Jésus est efficace. Le sang de Jésus te libère. Alléluia. Il y a un pasteur qui avait donné une histoire, qui avait raconté une histoire qui est très intéressante. Il a dit, un jour, il y avait un enfant. Cet enfant chantait toujours une chanson comme le sang de Jésus. Elle chantait une chanson sur le sang de Jésus. À chaque fois, cet enfant chantait toujours le sang de Jésus. Cet enfant, sa maman avait remarqué qu'elle ne tombait jamais malade. Elle tombait jamais malade. C'était un enfant peut-être de 3, 4 ans, 5 ans. En tout cas, c'était vraiment un enfant, un petit enfant, qui chantait le sang de Jésus, le sang de Jésus. Et un jour, sa maman avait lavé ses vêtements. Alors, pour les sécher, elle les avait tendus dehors pour les sécher. Et il y a eu du vent. Quand il y a eu le vent, les vêtements se sont un peu dispersés. Et il y avait les sous-vêtements de l'enfant qui étaient arrivés dans la maison d'un féticheur. Il y avait aussi un féticheur qui habitait là. Quand le féticheur a vu le sous-vêtement de l'enfant, le féticheur avait l'impression de voir une bombe. Le féticheur avait l'impression de voir quelque chose d'extraordinaire qui était venu pour le combattre. Il voyait comme de la lumière, il voyait comme du feu. Il n'arrivait pas à toucher ça. Il ne comprenait pas. Il avait fait toutes ses incantations. Ça, c'est le pasteur qui raconte. Il dit, le féticheur avait fait toutes ses incantations, tout. Il n'arrivait pas à comprendre c'était quoi le pouvoir qu'il y avait dans ce sous-vêtement, dans cet habit d'un petit enfant. Et la maman a constaté que les habits de l'enfant avaient disparu, donc elle commençait à chercher un peu. Est-ce que vous avez vu l'habit de mon enfant? Est-ce que vous avez vu l'habit de mon enfant? Elle commençait à récupérer un peu les morceaux. Et l'enfant est en train de jouer. L'enfant voit son sous-vêtement dans,
dans la maison, enfin, dans la maison du féticheur, l'enfant va, il prend, l'enfant prend et il part avec. Et le pasteur dit, le féticheur s'est posé la question, mais comment ce qui m'impressionnait ici, cette chose-là m'impressionnait, c'était quelque chose que je n'ai pas compris, comme du feu, que je n'ai pas réussi à cerner. Mais comment cet enfant-là est venu et a touché ça? L'enfant a pris ça facilement. Amen. Et bien aimé, selon les dires du pasteur, le féticheur s'est converti parce qu'il a vu qu'il y avait une autre puissance. Ce qui a protégé les vêtements de cet enfant, c'est le fait que l'enfant chantait toujours le sang de Jésus. L'enfant chantait innocemment le sang de Jésus, le sang de Jésus, mais le sang de Jésus a protégé cet enfant. Le sang de Jésus a protégé même ses vêtements. Le sang de Jésus a protégé cet enfant au point où le féticheur a constaté une autre puissance qui était au-delà de lui. Alléluia. Au-dessus de lui plutôt. Une autre puissance qui était au-dessus de lui, qui était au-dessus de sa force, qui était au-dessus de tout ce qu'il pouvait faire. Et il s'est converti. Il dit, mais comment moi j'arrive pas, je voyais le feu. J'arrivais pas à toucher ça. Comment cet enfant est venu et a pris son habit et parti avec? Je n'ai pas compris. C'était la puissance du sang de Jésus. Le sang de Jésus te couvre toi, couvre tes possessions. Ça peut couvrir ta voiture. C'est pour ça qu'il faut plaider le sang de Jésus. Si on a lancé des flèches d'accident contre toi, quand tu plaides le sang de Jésus couvre ta voiture. Amen. Tu peux marcher sur les... Tu peux rouler sur les pièges de l'adversaire, sur les pièges de sorciers. Ça ne te fera absolument rien. Si on te lance des flèches maléfiques, si tu es couvert par le sang de Jésus est un bouclier qui renvoie à l'expéditeur ses flèches. Le sang de Jésus est un bouclier qui empêche les flèches de l'adversaire, les flèches des sorciers de t'atteindre parce que ça te couvre. Amen. C'est un bouclier, c'est une force, c'est un médicament. Si tu es malade, tu peux boire le sang de Jésus par la foi. Le sang de Jésus est plus efficace que tous les médicaments que tu peux prendre. Le sang de Jésus est plus efficace que tous les traitements que le médecin peut te prescrire. Amen. Alors utilisez le sang de Jésus. Le sang de Jésus est une puissance qui libère. Le sang de Jésus est une puissance qui disperse l'ennemi. Le sang de Jésus est une puissance qui disperse les réunions de la sorcellerie. Le sang de Jésus est une puissance qui détruit les œuvres de Satan. Le sang de Jésus est une puissance qui détruit les œuvres des maris de nuit. Quand tu mets le sang de Jésus sur ton lit, un mari de nuit ne peut plus venir monter sur ton lit. Parce qu'il va voir le feu. Il va voir le feu. Pourquoi ? Le sang de Jésus que tu as plaidé va couvrir ton lit, va couvrir tes possessions. Si tu perds beaucoup tes affaires, tu perds beaucoup de l'argent, tu perds beaucoup des vêtements, couvre tout ce que tu possèdes par le sang de l'agneau. Couvre ton argent par le sang de l'agneau, couvre tes vêtements par le sang de l'agneau, couvre tout ce que tu as par le sang de l'agneau. Le diable ne viendra plus voler dans ta poche, le diable ne viendra plus voler dans ton sac, le diable ne viendra plus voler. Alléluia. Plaide le sang de Jésus, plaide le sang de Jésus. Quand on faisait la délivrance, l'esprit a dit qu'il avait bloqué les dossiers d'un frère. Il a mis le dossier au fin fond pour ne pas qu'on traite son dossier. On lui a dit, va chercher. Il est parti chercher, il a remis les dossiers en haut. Oh, bien aimé, le diable est rusé. La sorcellerie est réelle. Il faut plaider le sang de Jésus pour détruire les œuvres du diable. Il faut détruire les œuvres du diable. Vous n'avez pas idée de ce qu'il peut faire, comment il peut faire les choses. Toi, tu crois que c'est l'administration. Ah, mais c'est eux qui m'ont... Ils vont m'appeler. La préfecture va m'appeler. Le travail va m'appeler. L'ennemi, la sorcellerie est déjà partie prendre ton dossier, a mis ça en bas. Ce qui fait qu'on ne va jamais penser à toi. On ne va jamais t'appeler. On ne va pas te chercher. Il faut prier pour récupérer ta place, récupérer ta position, récupérer, détruire les œuvres du diable. Alléluia. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour son sang? On acclame le Seigneur et nous allons prier. Alléluia, gloire à Dieu. Merci Seigneur, merci Seigneur. Merci Jésus, nous allons prier le Seigneur. Alléluia. Alléluia, merci Jésus. Bien-aimé, tu vas prier avec moi maintenant. Alléluia. Alléluia. Nous allons prier le Seigneur, nous allons dire merci au Père ce soir. Tu vas dire, tendre Père, je te dis merci. Merci pour ton amour et merci pour le sang de Jésus que tu as mis à ma disposition comme une arme efficace. Alléluia. Père, merci pour ton amour. Dis-lui merci pour son amour. Tu peux aussi lui dire merci pour sa gloire qu'il déploie dans ta vie, pour sa gloire qu'il envoie dans ta vie, dans ta destinée, pour sa gloire qui vient pour te restaurer, pour sa gloire qui est dans ta vie, pour te délivrer. Et tu vas lui dire merci et merci pour le sang de Jésus que tu as disposé. Alléluia, que tu as mis à ma disposition comme une arme efficace dans le nom de Jésus. Commence à dire, à remercier le Père. Commence à remercier le Père. Alléluia, au nom puissant de Jésus. Commence à remercier le Père. Commence à remercier le Père. Commence à remercier le Père. Tendre Père, je te dis merci ce soir. Merci pour ton amour. Merci Père, oh pour
ta restauration dans ma vie. Merci pour ta gloire qui parle pour moi encore ce soir. Merci pour ta gloire qui me localise encore ce soir. Merci pour l'œuvre merveilleuse que tu es en train de faire dans ma vie depuis que j'ai commencé le jeûne jusqu'à maintenant. Merci Seigneur pour les bonnes choses que tu as préparées d'avance pour moi. Merci Père pour ma famille. Merci pour ma maison. Merci pour mes enfants. Merci Seigneur. Merci Père. Je te bénis, je te loue ce soir. Je te magnifie, je t'exalte. J'aimerais encore au Père te dire merci. Merci pour le sang de Jésus que tu as mis à ma disposition comme une arme efficace, comme une arme glorieuse, comme une arme grandiose pour détruire les œuvres du diable. Merci pour le sang de Jésus que tu as mis à ma disposition afin que l'ennemi soit dispersé. Merci pour le sang de Jésus que tu as mis à ma disposition afin que les œuvres des ténèbres soient dispersées. Merci pour le sang de Jésus que tu as mis à ma disposition afin que, Seigneur, les œuvres de la sorcellerie soient détruites dans le nom de Jésus. Oh, merci Père, merci Père, merci Père, merci Père. Je te bénis, je te loue, je te magnifie, je t'exalte parce que tu es Dieu. Reçois la gloire et la louange ce soir dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Tendre Père, merci. Merci pour ton amour. Merci pour tes projets glorieux. Alléluia pour moi. Merci pour tes projets merveilleux pour moi. Reçois la gloire et la louange dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus. Bien-aimés, nous allons prier et demander pardon encore au Seigneur. Peut-être que nous avons péché entre la dernière session du matin et maintenant. Peut-être que nous avons péché. La Bible déclare, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Là où il y a le péché, on ne peut pas voir la gloire de Dieu. Alors tu vas te repentir ce soir. Demander pardon au Père pour tous les péchés que tu as commis. Et tu vas demander au sang de Jésus de te laver maintenant. Tu vas demander au sang de Jésus de te purifier maintenant de tout péché. Au nom puissant de Jésus, priant le Seigneur. Demande pardon, bien-aimé. Demande pardon pour tes péchés. Demande pardon pour tes péchés connus et inconnus. Demande pardon pour toute chose qui peut attrister le Saint-Esprit dans ta vie maintenant. Demande pardon pour tout péché qui peut bloquer ton exaucement maintenant. Dans le nom puissant de Jésus. Demande pardon. Demande pardon. Demande pardon. Demande pardon au Seigneur. Tendre Père, je te demande pardon. Pardonne-moi mes péchés. Pardonne-moi les pensées de mon cœur. Pardonne-moi les paroles de ma bouche. Pardonne-moi, Père, toute chose que j'ai faite et qui ne t'a pas glorifié. Pardonne-moi tout péché connu et inconnu, Seigneur, qui peuvent ouvrir la porte à l'ennemi. Pardonne-moi, Seigneur, tout péché qui peuvent m'empêcher d'être exaucé ce soir. Je te demande pardon. Pardonne-moi, Seigneur, et fais-moi grâce ce soir. Lave-moi par ton sang précieux. Que ton sang précieux me lave de la tête à la plante de mes pieds. Que ton sang précieux me purifie de la tête à la plante de mes pieds. Que ton sang précieux, ô mon Père, ô mon Seigneur, me lave maintenant. Me lave maintenant. Me lave maintenant. Me lave maintenant de toute souillure. Me nettoie maintenant. Esprit, âme et corps dans le nom puissant de Jésus. Que ton sang, Seigneur, ô Dieu, me purifie maintenant. Enlève tout ce qui n'est pas de toi. Enlève les pollutions. Enlève le péché. Enlève tout ce qui ne te glorifie pas dans le nom puissant de Jésus. Que ton sang précieux me lave maintenant. Que ton sang précieux me nettoie maintenant. Que ton sang précieux, alléluia, me lave dans le nom de Jésus. Ah Père, je désire ton sang ce soir. Que ton sang nettoie ma maison, Seigneur. Que ton sang nettoie mes possessions. Que ton sang nettoie mes enfants maintenant. Purifie-moi ce soir par ton sang précieux. Purifie ma maison par ton sang précieux. Purifie mes enfants par ton sang précieux, Seigneur. Purifie mon époux par ton sang précieux. Purifie la tour de prière semeur par ton sang précieux. Purifie-nous ce soir au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Ah, que je sois purifié. Au nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur, pour la purification. Merci pour la purification. Merci pour la purification. Merci pour la purification. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Bien-aimés, nous voulons prier maintenant. Nous allons invoquer le sang de Jésus. Nous voulons plaider le sang de Jésus pour que le sang de Jésus puisse paralyser toutes les œuvres de la sorcellerie. Pour que le sang de Jésus puisse paralyser toutes les œuvres des ténèbres qui agissent dans nos vies. Pour que le sang de Jésus puisse paralyser toutes les stratégies des ténèbres qui agissent contre nous dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus, merci Jésus. Alléluia. Bien-aimé, tu vas prier maintenant et tu vas dire, gloire à Dieu. Par le sang de Jésus, tu vas déclarer maintenant, nous rentrons dans le combat spirituel. Par le sang de Jésus, je déclare ma victoire sur le péché. Amen. Par le sang de Jésus, je déclare ma victoire sur le péché, sur Satan et ses acolytes et sur le monde au nom puissant de Jésus. Je répète encore.
Par le sang de Jésus, je déclare ma victoire sur le péché, sur Satan, sur ses acolytes et sur le monde au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, quand l'ennemi veut rentrer dans ta maison, quand l'ennemi veut te toucher, il peut te pousser à aller pécher. Parce que quand tu pèches, tu ouvres une porte pour lui. Quand tu n'es pas consacré à Dieu, quand tu ne te consacres pas, tu ouvres une porte pour qu'il puisse toujours te contrôler. Alors déclare ce soir, par le sang de Jésus, je déclare ce soir ma victoire sur le péché, sur Satan et sur ses acolytes et sur le monde au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, commence à prier avec moi. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, alléluia. Alors que je me tiens à la porte de minuit, je déclare ce soir que par le sang de Jésus, je déclare ma victoire. Je déclare ma victoire sur le péché, sur Satan et ses acolytes et sur le monde. Au nom puissant de Jésus, je déclare ce soir, je déclare ce soir ma victoire. Je déclare ma victoire sur le péché. Par le sang de Jésus, je déclare ma victoire sur le péché. Par le sang de Jésus, je déclare ma victoire sur Satan au nom de Jésus. Par le sang de Jésus, je déclare ma victoire sur Satan et ses acolytes au nom de Jésus. Par le sang de Jésus, je déclare ma victoire sur la sorcellerie au nom puissant de Jésus. Par le sang de Jésus, je déclare ma victoire sur la sorcellerie familiale au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Par le sang de Jésus, je déclare ma victoire, alléluia, sur le péché. Bien-aimé, si tu connais le péché sur lequel tu tombes souvent, le péché dans lequel plutôt tu tombes souvent, le péché dans lequel le diable t'attrape toujours, déclare ce soir au nom puissant de Jésus. Je déclare ce soir que par le sang de Jésus, je déclare ce soir que par le sang de Jésus, j'ai la victoire sur la colère. Alléluia. Je déclare ma victoire sur la colère. Au nom puissant de Jésus, par le sang de Jésus, je déclare ma victoire sur l'hypocrisie. Je déclare ma victoire sur la lourdeur. Je déclare ma victoire sur le péché au nom puissant de Jésus. Je déclare ma victoire, alléluia, sur l'orgueil au nom puissant de Jésus. Je déclare ma victoire sur le mensonge au nom puissant de Jésus. Je déclare ma victoire sur le péché au nom de Jésus. Je déclare ma victoire sur l'impudicité dans le nom puissant de Jésus. Par le sang de Jésus, je déclare ma victoire sur la colère. Je déclare ma victoire sur l'hypocrisie au nom puissant de Jésus. Par le sang de Jésus, je déclare ma victoire sur l'oisiveté au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ, je déclare ma victoire sur la haine au nom de Jésus. Je déclare ma victoire sur les extrêmes colères au nom de Jésus. Je déclare ma victoire, alléluia, sur le manque de pardon au nom puissant de Jésus. Par le sang de Jésus ce soir, je déclare ma victoire sur le péché. Je déclare ma victoire sur Satan et ses acolytes. Je déclare ma victoire sur le monde au nom puissant de Jésus. 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 Bien-aimé, si tu as des situations difficiles dans ta vie, tu vas prier maintenant et tu vas dire, alléluia, je plaide le sang de Jésus. Alléluia. Au nom puissant de Jésus, je plaide le sang de Jésus sur chaque situation difficile de ma vie au nom de Jésus. Je plaide le sang de Jésus ce soir sur chaque situation difficile de ma vie au nom puissant de Jésus. Commence à penser aux situations difficiles de ta vie. Commence à penser aux situations tenaces de ta vie. Commence à penser aux situations compliquées de ta vie. Commence à penser aux situations qui ne changent pas dans ta vie. Déclare ce soir, je plaide le sang de Jésus. Commence à plaider le sang de Jésus. Je plaide le sang de Jésus, alléluia, sur chaque situation difficile de ma vie, au nom puissant de Jésus. Je plaide le sang de Jésus ce soir, sur chaque situation difficile, sur chaque situation tenace de ma vie, au nom de Jésus. Maintenant, toi, tu connais ta situation. Tu vas commencer à nommer cette situation. Au nom de Jésus, je plaide le sang de Jésus sur telle situation, au nom de Jésus. Je plaide le sang de Jésus sur la situation de ma santé, au nom puissant de Jésus. Je plaide le sang de Jésus sur la situation de mon mariage, au nom de Jésus. Je plaide le sang de Jésus sur la situation de mon travail, au nom puissant de Jésus. Je plaide le sang de Jésus maintenant ce soir sur la situation, alléluia, sur la situation de mon voyage, au nom puissant de Jésus. Ce soir, alors que je me tiens à la porte de minuit, je plaide le sang de Jésus. Je plaide le sang de Jésus sur mon mariage au nom de Jésus. Je plaide le sang de Jésus sur chaque situation difficile de ma vie, dans le nom puissant de Jésus. Je plaide le sang de Jésus ce soir sur chaque situation tenace de ma vie au nom de Jésus. Alors que je me tiens à la porte de minuit, je plaide le sang de Jésus sur chaque situation difficile de ma vie au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, commence à plaider. Plaide le sang de Jésus sur chaque situation difficile de ta vie.
Alléluia. Plaide le sang de Jésus sur chaque situation tenace de ta vie. Les situations qui ne se débloquent pas. Les situations qui semblent se corser. Plaide le sang de Jésus. Que le sang de Jésus puisse parler pour toi. Que le sang de Jésus puisse plaider pour toi. Que le sang de Jésus, alléluia, puisse te venir en aide au nom de Jésus. Commence à prier. Commence à prier. Continue à prier. Nomme cette situation. Dis à alléluia. Nomme cette situation par son nom. Donne le nom de cette situation. Commence à plaider au nom puissant de Jésus. 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 Je plaide maintenant. Je plaide maintenant. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Alléluia. Le sang de Jésus. Que le sang de Jésus parle pour moi dans les situations difficiles. Dans les situations difficiles de ma vie. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Je plaide le sang de Jésus sur, alléluia, sur chaque situation difficile de ma vie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je plaide le sang de Jésus sur la situation de mon couple, de mon mariage, au nom puissant de Jésus. Je plaide le sang de Jésus sur la situation de mon fils, sur la situation de ma fille, au nom puissant de Jésus. Je plaide le sang de Jésus sur ma situation, alléluia, coriace, qui ne finit pas, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, tu vas plaider le sang de Jésus. Tu vas plaider le sang de Jésus sur ton corps. Amen. Là où l'ennemi avait planté des mauvaises choses. Peut-être qu'il y a des mauvaises choses qui sont en toi et qui travaillent contre toi. Tu vas déclarer ce soir et tu vas dire, je plaide le sang de Jésus sur tout mon corps. De la tête à la plante de mes pieds, je plaide le sang de Jésus. Alors j'aimerais que quand tu vas dire cette prière, quand tu vas déclarer ça, que tu touches ta tête quand tu pries. Exemple, je dis, je plaide le sang de Jésus maintenant sur tout mon corps. Touche ton corps un peu partout. Je plaide le sang de Jésus sur tout mon corps. De la tête, quand tu parles de la tête, tu touches la tête. De la tête à la plante de mes pieds, au nom puissant de Jésus. Je plaide le sang de Jésus sur mon ventre. Si tu as mal au ventre, je plaide le sang de Jésus sur mon ventre. Je plaide le sang de Jésus sur mes os, dans mes os. Alléluia. Je plaide le sang de Jésus-Christ sur tout mon corps, dans le nom puissant de Jésus. Commence à plaider. Commence à plaider. Si tu as des maladies, commence à mettre ta main là où tu as mal. Plaide le sang de Jésus. Le sang de Jésus-Christ guérit. Alléluia, les infirmités. Guérit les maladies. Le sang de Jésus-Christ est un sang. Alléluia. Et le sang qui donne la victoire, qui ramène la guérison, qui détruit les maladies mystiques. Commence à prier au nom puissant de Jésus. Je plaide le sang de Jésus ce soir sur chaque sur tout mon corps. Alléluia. Je plaide le sang de Jésus ce soir sur tout mon corps maintenant. Maintenant au nom puissant de Jésus. Je plaide le sang de Jésus ce soir sur tout mon corps, de la tête à la plante de mes pieds au nom puissant de Jésus. De la tête à la plante de mes pieds au nom puissant de Jésus. Je plaide le sang de Jésus-Christ sur mes pieds. Je plaide le sang de Jésus-Christ sur mon ventre. Alléluia. Je plaide le sang de Jésus-Christ sur ma tête au nom puissant de Jésus. Je plaide le sang de Jésus-Christ sur mes mains au nom puissant de Jésus. Je plaide le sang de Jésus-Christ sur tout mon corps. Quand tu es en train de dire tout ton corps, tu fais les gestes comme si tu te lavais, comme si tu te frottais le corps. Voilà, tu touches de la tête et tu descends jusque dans ton corps au nom puissant de Jésus. Alléluia, je plaide le sang de Jésus-Christ sur tout mon corps maintenant au nom puissant de Jésus. Sur tout mon corps au nom puissant de Jésus. De la tête à la plante de mes pieds au nom de Jésus. Tu passes tes deux mains de la tête jusqu'au bas de tes pieds. Tu passes tes mains de la tête jusqu'à la plante de tes pieds, jusqu'en bas. Tu passes tes mains et tu continues à prier. Je plaide le sang de Jésus maintenant. Je plaide le sang de Jésus maintenant. Je plaide le sang de Jésus maintenant. Je plaide le sang de Jésus maintenant sur tout mon corps, de la tête à la plante de mes pieds, dans le nom de Jésus-Christ. De la tête à la plante de mes pieds, dans le nom de Jésus-Christ. Je plaide le sang de Jésus-Christ. Quand tu es en train de faire cela, tu es en train de mettre le sang de Jésus sur tout ton corps. Tu es en train de mettre le sang de Jésus sur tout ton corps. Tu es en train de mettre le sang de Jésus-Christ sur tout ton corps. Et cela te donne maintenant la délivrance au nom de Jésus. Alléluia. Cela te donne la délivrance maintenant. Maintenant, maintenant. Oh, karabashikere. Commence à mettre sur ta tête jusqu'à tes pieds. Korabashikere. Commence à mettre sur ta tête jusqu'à tes pieds. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Je plaide le sang de Jésus sur tout mon corps maintenant. Sur tout mon corps maintenant. De la tête à la plante de mes pieds. De la tête à la plante de mes pieds. Au nom puissant de Jésus. Que le sang de Jésus-Christ maintenant, oh, me couvre. Que le sang de Jésus-Christ maintenant me nettoie. Que le sang de Jésus-Christ maintenant enlève les pollutions sataniques et démoniaques. Que le sang de Jésus-Christ maintenant détruise toute semence de la sorcellerie de ma vie. Que le sang de Jésus-Christ maintenant détruise toutes les semences maléfiques et démoniaques qui ramènent des maladies dans ma vie. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Oh, commence à plaider le sang de Jésus. Je plaide le sang de Jésus sur tout mon corps maintenant. De la tête à la plante de mes pieds. De la tête à la plante de mes pieds. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Je plaide le sang de Jésus-Christ sur mes mains. Sur mes mains. Sur mes mains. À
afin que je puisse maintenant garder l'argent dans mes mains. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Afin que je sois prospère. Au nom puissant de Jésus. Je plaide le sang de Jésus-Christ dans tout mon corps, sur tout mon corps, oh, de la tête à la plante de mes pieds, dans le nom de Jésus. Alléluia. Continue à plaider le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Je plaide le sang de Jésus-Christ maintenant, dans le nom de Jésus. 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 Et tu vas prier encore. Alléluia. Tu vas dire, sang de Jésus, délivre-moi par le feu au nom de Jésus-Christ. Appelle le sang de Jésus à te délivrer. Sang de Jésus, délivre-moi par le feu. Alléluia. Par le feu au nom de Jésus-Christ. Alors quand tu seras en train de dire sang de Jésus, délivre-moi par le feu au nom de Jésus-Christ, j'aimerais que tu puisses taper sur ta tête tout doucement, comme si tu tapais sur ta tête tout doucement. Voilà, si vous avez des migraines, tapez vraiment très 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 lentement sur la tête, comme si vous faites des tapes. Voilà, vous m'entendez? Voilà, je tape sur mon bras comme ça, mais vous allez faire sur votre tête, tout doucement, au nom de Jésus. Sang de Jésus, sang de Jésus-Christ, délivre-moi par le feu maintenant au nom puissant de Jésus. Sang de Jésus-Christ, délivre-moi par le feu maintenant au nom puissant de Jésus. Sang de Jésus-Christ, délivre ma vie par le feu maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Alors tu entends de taper sur la tête, et tu peux descendre aussi sur la poitrine, amen. Descends sur la poitrine, sur ton cou, tu peux continuer à taper. Sang de Jésus-Christ, sang de Jésus-Christ, délivre-moi par le feu au nom puissant de Jésus. Sang de Jésus-Christ, et vous commencez à continuer à taper, vous descendez, voilà, vous tapotez tout simplement sur votre corps un peu partout. Si vous avez mal à un endroit bien précis, vous tapez, vous insistez sur cet endroit-là, au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus. Sang de Jésus, délivre-moi par le feu au nom de Jésus-Christ. Sang de Jésus-Christ, délivre-moi par le feu maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Sang de Jésus-Christ, délivre-moi par le feu maintenant au nom de Jésus-Christ. Si vous avez mal à la poitrine, tapez sur votre poitrine là où vous avez mal. Sang de Jésus-Christ, délivre-moi par le feu au nom puissant de Jésus-Christ. Sang de Jésus-Christ, délivre-moi par le feu au nom de Jésus-Christ. Sang de Jésus-Christ, délivre ma vie par le feu au nom puissant de Jésus-Christ. Sang de Jésus-Christ, délivre-moi par le feu au nom puissant de Jésus-Christ. Sang de Jésus-Christ, délivre ma santé par le feu au nom puissant de Jésus-Christ. Sang de Jésus-Christ, délivre-moi par le feu au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Sang de Jésus-Christ, délivre-moi par le feu au nom puissant de Jésus. Sang de Jésus-Christ, délivre-moi par le feu au nom puissant de Jésus. Sang de Jésus, vous tapez un peu partout. Alléluia. Sang de Jésus-Christ, délivre-moi par le feu au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, délivre-moi par le feu au nom puissant de Jésus. Sang de Jésus-Christ, délivre-moi par le feu au nom puissant de Jésus-Christ. Délivre ma vie par le feu au nom puissant de Jésus-Christ. Délivre ma destinée par le feu au nom puissant de Jésus-Christ. Délivre mon âme par le feu au nom puissant de Jésus-Christ. Sang de Jésus-Christ, délivre-moi par le feu au nom puissant de Jésus. Alléluia. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. 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 Gloire à Dieu. Bien-aimé, tu vas prier, tu vas dire. Alléluia. Sang de Jésus-Christ. Chasse la maladie. Alléluia. Chasse la maladie de ma vie. Sang de Jésus-Christ. Chasse la maladie de ma vie. Ça peut être la maladie, la stérilité, l'instabilité, la lourdeur, les échecs, selon ce que vous vivez. Amen. Chasse le célibat chronique de ma vie. Au nom puissant de Jésus. Sang de Jésus-Christ, chasse, chasse, chasse les envoûtements de ma vie au nom de Jésus. Chasse les mauvais rêves de ma vie. Chasse les oppressions de ma vie. Tu vas commencer à chasser. Demande au sang de Jésus de chasser de ta vie toute chose qui empêche ta vie d'être prospère. Alléluia. Commence à prier avec moi. Sang de Jésus-Christ, sang de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus. Sang de Jésus-Christ, chasse la pauvreté de ma vie au nom puissant de Jésus. Oh, sang de Jésus-Christ, ce soir, chasse la maladie de ma vie au nom puissant de Jésus. Chasse la stérilité de ma vie au nom puissant de Jésus. Sang de Jésus-Christ, chasse l'instabilité sociale de ma vie au nom puissant de Jésus-Christ. Chasse l'instabilité maritale de ma vie au nom puissant de Jésus-Christ. Sang de Jésus, chasse la lourdeur de ma vie au nom puissant de Jésus-Christ. Sang de Jésus, chasse les humiliations de ma vie au nom puissant de Jésus. Sang de Jésus, chasse la maladie de ma vie au nom puissant de Jésus. Commence à prier, commence à demander au sang de Jésus de chasser de ta vie, de chasser de ta vie toute chose qui empêche ta vie d'avancer, toute chose qui empêche ta vie d'avancer, toute chose qui empêche ta vie, alléluia, d'aller de l'avant au nom puissant de Jésus. Sang de Jésus, sang de Jésus-Christ, chasse, chasse la pauvreté de ma vie au nom puissant de Jésus. Sang de Jésus-Christ, chasse les œuvres de la sorcellerie de ma vie au nom puissant de Jésus. Chasse maintenant,
Chasse maintenant, sang de Jésus-Christ, chasse la maladie de ma vie, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Chasse l'instabilité de ma vie, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus, 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 au nom puissant de Jésus. Alléluia, sang de Jésus-Christ, chasse la maladie de ma vie, au nom puissant de Jésus, 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 au nom puissant de Jésus. Alléluia, au nom de Jésus. Alléluia, alléluia. Bien-aimé, tu vas prier, tu vas dire. Alléluia, au nom puissant de Jésus. Je paralyse les oppresseurs. Écoutez-moi très bien. Je paralyse les oppresseurs sataniques délégués contre moi par le feu et le sang de Jésus, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, alors que je me tiens à la porte de minuit, je paralyse les oppresseurs sataniques délégués contre moi, contre mes enfants, contre ma maison, par le feu et le sang de Jésus, au nom puissant de Jésus. Commence à paralyser tous les oppresseurs sataniques, tous les oppresseurs démoniaques qui ont été délégués contre toi, qui ont été envoyés contre toi. Ils viennent te toucher dans les rêves, ils passent par les rêves, ils passent par beaucoup de choses. Tu vas prier maintenant, tu vas les paralyser maintenant par le sang de l'agneau, par le feu, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Alors que je me tiens à la porte de minuit maintenant, je paralyse les oppresseurs sataniques délégués contre moi et ma maison, au nom puissant de Jésus. Je paralyse les oppresseurs démoniaques, les oppresseurs de la sorcellerie délégués contre moi par le feu et le sang de Jésus, au nom puissant de Jésus. Alors que je me tiens à la porte de minuit, je paralyse maintenant les oppresseurs sataniques, les maris de nuit, les femmes de nuit, les esprits des eaux délégués contre moi, délégués contre ma maison, délégués contre ma famille par le feu et le sang de Jésus, au nom puissant de Jésus. Je les foudroie maintenant au nom de Jésus. Je les foudroie maintenant au nom de Jésus. Je les foudroie maintenant au nom de Jésus. Je les paralyse. Alléluia. Je paralyse maintenant les oppresseurs sataniques, les oppresseurs démoniaques, les sorciers maléfiques délégués contre moi, contre ma maison, contre mes enfants, par le feu et le sang de Jésus, au nom puissant de Jésus. Je les foudroie par le feu maintenant. Je les foudroie par le feu maintenant. Je les foudroie par le sang de Jésus maintenant, au nom puissant de Jésus. Je les foudroie par le sang de Jésus maintenant, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, vous oppresseurs démoniaques, vous sorciers de la famille, vous sorciers familiales, de la maison de mon père, de la maison de ma mère, je vous foudroie maintenant par le feu. Je vous foudroie maintenant par le feu et par le sang de l'agneau, au nom puissant de Jésus. Je vous foudroie maintenant par le feu et par le sang de Jésus-Christ, au nom de Jésus. Vous sorciers de la famille de ma mère, vous sorciers de la maison de ma mère, vous sorciers de la maison de ma mère, vous sorciers de la maison de mon père, je vous foudroie maintenant. Je vous foudroie maintenant. Je vous paralyse maintenant. Je vous paralyse maintenant par le feu et le sang de Jésus, au nom puissant de Jésus. Commence à les paralyser. Commence à les paralyser. Commence à les paralyser. Commence à les paralyser. Si tu connais le nom de ton village, tu peux dire le nom de ton village. Vous sorciers maléfiques, délégués contre moi, venant de tel village, j'envoie sur vous le feu. J'envoie sur vous le sang de Jésus, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Commence à les foudroyer. Commence à les foudroyer. Le sang de Jésus est plus efficace, bien-aimé. Le sang de Jésus est une arme redoutable pour l'ennemi. Le sang de Jésus est une arme puissante pour l'ennemi. Commence. Le sang de Jésus est une arme efficace contre l'ennemi. Contre l'ennemi. Il détruit les œuvres du diable. Il détruit les œuvres de la sorcellerie. Le sang de Jésus est une arme efficace contre le diable, contre les sorciers, contre les magiciens, contre les esprits des eaux, contre les féticheurs, contre tout esprit maléfique qu'on peut envoyer contre toi. Alors plaide le sang de Jésus. Déclare au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, je paralyse ce soir les oppresseurs sataniques délégués contre moi, délégués contre ma maison, délégués contre mes enfants, au nom puissant de Jésus. Je les paralyse maintenant par le feu et le sang de Jésus. Je les paralyse maintenant par le feu et le sang de Jésus. Recevez le feu maintenant. Recevez le feu maintenant. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Vous, totem familial, totem de la maison de mon père, totem de la maison de ma mère, j'envoie le feu sur vous maintenant. Au nom puissant de Jésus. J'envoie le sang de Jésus sur vous maintenant. Au nom puissant de Jésus. Vous êtes paralysés. Vous êtes paralysés. Vous êtes paralysés maintenant. Au nom puissant de Jésus. Vous êtes paralysés maintenant. Au nom puissant de Jésus. Vous êtes paralysés maintenant. Au nom puissant de Jésus. Vous êtes paralysés maintenant. Au nom puissant de Jésus. Vous êtes paralysés maintenant. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Vous êtes paralysés. Vous êtes paralysés. Vous êtes paralysés maintenant. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Vous oppresseurs démoniaques. Vous oppresseurs sataniques. Délégués contre ma vie. Délégués contre moi par les rêves. Envoyés contre moi dans les rêves. J'envoie le feu sur vous. J'envoie le feu sur vous. J'envoie le sang de Jésus sur vous. Au nom puissant de Jésus.
Alléluia. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Et tu vas prier et tu vas dire. Alléluia. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Tu vas dire maintenant. Je tiens le sang de Jésus-Christ comme bouclier. Je tiens le sang de Jésus-Christ comme bouclier contre les puissances de la sorcellerie familiale au nom de Jésus. Ce soir, alors que je me tiens à la porte de minuit, je tiens le sang de Jésus-Christ comme bouclier. Alléluia. Contre les puissances de la sorcellerie familiale, dans le nom puissant de Jésus. Commence à déclarer, je tiens le sang de Jésus-Christ comme bouclier contre les puissances de la sorcellerie familiale. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Ah, je me lève ce soir et je tiens le sang de Jésus-Christ comme bouclier contre les puissances de la sorcellerie, contre les pouvoirs de la sorcellerie, contre les flèches de la sorcellerie, contre la maladie de la sorcellerie, contre les maladies mystiques. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, je tiens le sang de Jésus-Christ comme bouclier, comme bouclier. Le sang de Jésus est mon bouclier. Le sang de Jésus est mon bouclier. Le sang de Jésus-Christ est mon bouclier. Contre les puissances démoniaques, contre les puissances de la sorcellerie familiale, contre les puissances des idoles familiales, contre les puissances de l'homme fort familial. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, je tiens le sang de Jésus-Christ comme bouclier maintenant, comme bouclier maintenant, comme bouclier dans ma maison, comme bouclier à l'extérieur de ma maison, comme bouclier dans la vie de mes enfants. Au nom puissant de Jésus, 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 au nom puissant de Jésus. Alléluia. Bien-aimés, il y a des portes que l'ennemi a utilisées dans nos vies, mais que nous-mêmes nous avons ouvertes. Alléluia. Il y a des portes que l'ennemi utilise contre toi, mais c'est toi-même qui avais ouvert ces portes, c'est pas l'ennemi. C'est toi qui as ouvert ces portes, alors le diable aussi est entré. Il y a des portes que les sorciers utilisent contre toi. Il y a des portes par lesquelles les sorciers rentrent pour t'atteindre, mais c'est toi-même qui avais ouvert cela. Alors tu vas fermer toutes les portes que tu as ouvertes toi-même. Alléluia. Tu vas dire maintenant que toute porte que j'ai ouverte à l'ennemi soit fermée à jamais par le sang de Jésus maintenant. Au nom de Jésus. Alléluia. Que toute porte que j'ai ouverte à l'ennemi soit fermée à jamais maintenant par le sang de Jésus. Commence à déclarer, commence à prier au nom puissant de Jésus. Que toute porte que j'ai ouverte à l'ennemi soit fermée à jamais au nom puissant de Jésus. Alors que je me tiens à la porte de minuit, que toute porte que j'ai ouverte à l'ennemi soit fermée à jamais au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Que toute porte que j'ai ouverte à l'ennemi par mes péchés, par mes erreurs, soit fermée maintenant à jamais par le sang de Jésus. Soit fermée à jamais par le sang de Jésus. Soit fermée à jamais par le sang de Jésus. Alors que je me tiens à la porte de minuit, je déclare ce soir que toute porte que j'ai ouverte à l'ennemi soit fermée à jamais maintenant au nom de Jésus. Commence à fermer ses portes. Ferme ses portes. Ferme ses portes maintenant au nom puissant de Jésus. Ferme ses portes par la foi. Ferme ses portes par la foi. Utilise le sang de Jésus. Utilise le sang de Jésus. Que toute porte que j'ai ouverte à l'ennemi soit fermée ce soir à jamais par le sang de Jésus. Soit fermée ce soir à jamais par le sang de Jésus-Christ. Soit fermée ce soir à jamais par le sang de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bien-aimé, tu vas maintenant détruire tous les sorts démoniaques qui sont utilisés contre toi. Tu vas maintenant détruire tous les envoûtements démoniaques qui sont utilisés contre ta destinée, qui sont utilisés contre ta vie. Tu vas déclarer ce soir, alléluia, que le sang de Jésus foudroie, que le sang de Jésus-Christ foudroie chaque sort et envoûtement utilisé contre moi au nom de Jésus. Que le sang de Jésus-Christ foudroie chaque sort et envoûtement utilisé contre moi au nom puissant de Jésus. Que le sang de Jésus-Christ foudroie chaque voie des ténèbres utilisée contre ma vie au nom puissant de Jésus. Que le sang de Jésus-Christ foudroie chaque parole maléfique prononcée contre moi au nom puissant de Jésus. Commence à prendre le sang de Jésus. Que le sang de Jésus-Christ puisse foudroyer maintenant chaque sort, chaque envoûtement utilisé contre toi dans le monde des ténèbres au nom de Jésus. Que le sang de Jésus-Christ foudroie chaque sort, chaque envoûtement utilisé contre toi dans le monde de la sorcellerie au nom puissant de Jésus. Que le sang de Jésus-Christ foudroie chaque sort, chaque envoûtement, chaque parole maléfique, chaque flèche utilisée contre ta vie au nom puissant de Jésus-Christ. Que le sang de Jésus-Christ foudroie chaque sort et envoûtement utilisé contre ta vie dans le nom de Jésus. Que cela soit foudroyé ce soir, que cela soit foudroyé ce soir, que cela soit anéanti ce soir. Foudroie cela, commence à foudroyer cela, commence à foudroyer cela,
Tu peux aussi foudroyer les mauvais rêves. Alléluia. Que le sang de Jésus-Christ foudroie ce soir chaque mauvais rêve utilisé contre ma vie au nom de Jésus. Que le sang de Jésus-Christ foudroie ce soir chaque mauvais rêve utilisé contre moi au nom puissant de Jésus. Ces mauvais rêves que tu fais à chaque fois, foudroie-les par le sang de l'agneau. Foudroie-les par le sang de Jésus. Foudroie-les par le sang de Jésus. Commence à les foudroyer. Commence à les foudroyer dans le nom puissant de Jésus. 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 Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Bien-aimé, tu vas prier, tu vas dire. Alléluia. Tu vas dire maintenant. Alléluia. Je commande à toutes les marches arrière de la sorcellerie. Il y a ce qu'on appelle des marches arrière démoniaques. Des marches arrière de la sorcellerie qu'on met dans la vie des personnes. Quand tu veux monter, on vient te mettre la marche arrière. Toi, au lieu de monter, toi, tu recules. Tu as l'impression que tu montes, mais en fait, dans le spirituel, tu recules. On a mis des escaliers maléfiques qui te ramènent en arrière. Alors tu vas dire maintenant, je commande à toutes les marches arrière de la sorcellerie installées pour gêner mon progrès d'être brûlé maintenant par le feu au nom de Jésus. Je recommence encore. Je commande à toutes les marches arrière de la sorcellerie installées pour gêner mon progrès, pour gêner mon avancement, d'être brûlé maintenant par le feu, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, commence à commander, prends autorité. Je commande maintenant à toutes les marches arrière de la sorcellerie, installées pour gêner mon progrès, installées pour gêner mon avancement, installées pour gêner ma prospérité, installées pour gêner ma vie, d'être brûlé maintenant par le feu, au nom puissant de Jésus. Commence à brûler maintenant toutes les marches arrière, alléluia, toutes les marches arrière de la sorcellerie qui ont été installées contre toi, toutes les escaliers maléfiques qui ont été installés contre toi, toutes les marches arrière, toutes les cordes des ténèbres qui ont été installées contre ta vie, commence à les foudroyer au nom de Jésus, commence à les foudroyer au nom de Jésus. Je commande maintenant à toutes les marches arrière de la sorcellerie installées pour gêner mon progrès, installées pour gêner mon avancement, installées pour gêner ma prospérité, installées pour gêner mon avancement, d'être brûlé ce soir au nom de Jésus. Amen. Que cela soit brûlé ce soir. Que cela soit brûlé ce soir. Que toutes les marches arrière qu'on a mises sur toi, toutes les marches arrière de la sorcellerie qui ont été installées dans ta vie, soient brûlées ce soir. Brûlées, foudroyées au nom de Jésus. Foudroyées par le sang de l'agneau. Au nom puissant de Jésus. Que toutes les marches arrière qu'on a installées dans ta vie, c'est pour cela que tu recules à chaque fois. Depuis des années, tu te bats. Il y a en fait une marche arrière. Il y a des escaliers de marche arrière qu'on a mis sur ta vie qui te ramènent toujours en arrière. Comme toi, tu montes, on vient te mettre la marche arrière. Toi, tu montes, on vient te mettre la marche arrière et tu as du mal à monter. Tu dois te battre pour monter. Commence à détruire cela au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, je commande maintenant à toutes les marches arrière de la sorcellerie installées pour gêner mon progrès, installées pour gêner ma prospérité, installées pour gêner mon mariage, installées pour gêner ma vie, installées pour gêner ce que je suis, d'être foudroyé maintenant, d'être brûlé maintenant au nom puissant de Jésus. 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 Alléluia. Alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Bien-aimé, tu vas prier, tu vas déclarer. Alléluia. Au nom puissant de Jésus, tu vas prier, tu vas dire. Je paralyse maintenant. Je paralyse et je coupe la tête. Coupe la tête, bien-aimé, n'aie pas pitié. Je paralyse et je coupe la tête de chaque sorcier. Alléluia. De chaque sorcier qui travaille contre ma vie avec le sang de Jésus. Je paralyse ce soir et je coupe la tête de chaque sorcier qui travaille contre ma vie au nom puissant de Jésus. Un à un, que la tête soit coupée dans le nom puissant de Jésus. Un à un, que leur tête soit coupée maintenant au nom de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus, alors que je me tiens à la porte de minuit, je paralyse et je coupe la tête de chaque sorcier qui travaille contre moi au nom de Jésus. Je paralyse et je coupe la tête de chaque sorcier qui trouble ma maison au nom puissant de Jésus. Je paralyse et je coupe la tête de chaque sorcier qui trouble la maison de... qui trouble la vie de mes enfants au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, commence à prier au nom de Jésus, commence à paralyser, commence à couper la tête. Tu n'as pas besoin de savoir qui c'est, mais tant qu'il existe, sa tête sera coupée. Tant qu'il existe, alléluia, tant qu'il existe, il sera paralysé par le sang de Jésus. Au nom puissant de Jésus, je paralyse ce soir et je coupe la tête de chaque sorcier, de chaque sorcier, de chaque sorcier qui travaille contre ma vie, de chaque sorcier qui trouble ma destinée, de chaque sorcier qui trouble ma maison, de chaque sorcier qui trouble ma famille, avec le sang de Jésus, avec le sang de Jésus, avec le sang de Jésus, avec le sang de Jésus. De la même manière que David avait coupé la tête de Goliath, je viens maintenant couper la tête, je viens couper la tête, je viens couper la tête de chaque sorcier qui combat ma
ma vie dans le nom de Jésus. Qui combat ma vie dans le nom de Jésus. S'ils sont 10, que les 10 soient coupés maintenant. Que leur tête soit coupée maintenant. Qu'ils soient tous paralysés maintenant. Qu'ils soient frappés d'aveuglement maintenant au nom puissant de Jésus. Quel que soit leur nombre, je déclare ce soir que leur tête soit coupée au nom puissant de Jésus. Que leur tête soit coupée par le sang de Jésus-Christ. Par le sang de Jésus-Christ. Par le sang de Jésus-Christ. Qu'ils soient frappés d'aveuglement au nom puissant de Jésus. Qu'ils soient frappés d'aveuglement au nom puissant de Jésus. Qu'ils soient frappés d'aveuglement au nom puissant de Jésus. Qu'ils soient frappés d'aveuglement au nom puissant de Jésus. Que chaque sorcier de ma vie, que chaque sorcier de ma destinée, que chaque sorcier qui combat la vie de mes enfants soit paralysé maintenant. Soit paralysé maintenant. Je paralyse et je coupe sa tête au nom puissant de Jésus. Je le paralyse et je coupe sa tête avec le sang de Jésus. Avec le sang de Jésus. Avec le sang de Jésus. Quel que soit leur nombre, qu'ils soient tous paralysés, qu'ils soient tous foudroyés, que leur tête soit coupée par le sang de Jésus. Par le sang de Jésus. Par le sang de Jésus. Au nom puissant de Jésus, je paralyse et je coupe la tête de chaque sorcier qui travaille contre moi. J'envoie l'AVC maintenant. J'envoie l'AVC contre eux. J'envoie l'AVC contre eux au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. J'envoie la flèche de l'AVC contre eux au nom puissant de Jésus. Qui ne se relève plus, qui ne se relève plus, qui ne se relève plus au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant. Bien-aimé, envoie le feu. Alléluia, envoie le feu. Les sorciers envoient des flèches de AVC contre les gens. Il y a des gens qui ont des AVC sataniques. Beaucoup ont des AVC sataniques. On t'envoie une flèche de AVC et tu fais l'AVC. Toi aussi, envoie la flèche de AVC au nom puissant de Jésus. Alléluia. Au nom puissant de Jésus. Foudroyé par le feu. Qu'ils soient frappés d'aveuglement au nom de Jésus. Que le sang de Jésus les frappe d'aveuglement. Que le sang de Jésus envoie une flèche d'AVC contre eux-mêmes. Que le sang de Jésus les renvoie à l'expéditeur. Tout ce qu'ils ont fait sur toi au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ, je paralyse et je coupe la tête de chaque homme fort, de chaque sorcier de ma vie avec le sang de Jésus. Alléluia. Avec le sang de Jésus. Avec le sang de Jésus, que leur tête soit coupée maintenant. Avec le sang de Jésus, qu'ils soient paralysés maintenant. Avec le sang de Jésus, qu'ils soient frappés d'aveuglement maintenant. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Qu'ils soient taillés en pièces. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, tu vas déclarer, tu vas dire. Alléluia. Tu vas dire maintenant, s'il y a une chose en moi, s'il y a une chose dans ma vie qui n'est pas de Dieu, je le chasse maintenant avec le sang de Jésus. Alors que tu es en train de faire cette prière, tu tapes sur toi, tu tapes, tu mets ta main sur toi, tu tapes un peu partout. Alléluia. S'il y a une chose en moi, s'il y a une chose dans ma vie qui n'est pas de Dieu, je le chasse maintenant avec le sang de Jésus. Alléluia. Je le chasse maintenant avec le sang de Jésus. Commence à taper sur toi, tape sur toi. Amen. Comme tu m'entends ici. Alléluia. Tout doucement, tu tapes sur toi, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, alléluia. S'il y a une chose en moi qui n'est pas de Dieu, je le chasse avec le sang de Jésus-Christ. Ce soir, alors que je me tiens à la porte de minuit, s'il y a une chose qui n'est pas de Dieu dans ma vie, s'il y a une chose qui n'est pas de Dieu dans mon corps, je le chasse maintenant avec le sang de Jésus. Je le chasse maintenant avec le sang de Jésus. Je le chasse maintenant avec le sang de Jésus. Je le chasse maintenant avec le sang de Jésus. 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 Au nom puissant de Jésus. S'il y a une chose qui n'est pas de Dieu, s'il y a une chose qui n'est pas de Dieu dans mon corps, s'il y a une chose qui n'est pas de Dieu dans ma destinée, je le chasse maintenant avec le sang de Jésus. Je le chasse maintenant avec le sang de Jésus. S'il y a une chose dans ma maison qui n'est pas de Dieu, je le chasse maintenant avec le sang de Jésus. Je le chasse maintenant avec le sang de Jésus. S'il y a une chose dans ma famille qui n'est pas de Dieu, je le chasse maintenant avec le sang de Jésus. Je le chasse maintenant avec le sang de Jésus. Je le chasse maintenant avec le sang de Jésus. Je le chasse maintenant avec le sang de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus. 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 Bien-aimé, commence à prier. Continue à prier. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus, continue à prier, continue à prier, continue à prier dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus. Alléluia, alléluia, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alléluia, alléluia. Bien-aimé, tu vas déclarer encore ce soir que le sang de Jésus, que le sang de Jésus ramène tout ce qui appartient à ma vie. Ramène les bonnes choses de ma vie. Que le sang de Jésus-Christ ramène maintenant mon mariage. Alléluia. Que le sang de Jésus-Christ ramène mon mariage. Que le sang de Jésus-Christ ramène ma santé. Que le sang de Jésus-Christ ramène ma maison. Que le sang de Jésus-Christ ramène mon travail. Que le sang de Jésus-Christ ramène ma stabilité. Tout ce qu'on t'avait volé, tout ce que l'ennemi m'avait volé. Que le sang de Jésus ramène cela dans le nom puissant de Jésus. Commence à prier que cela revienne à toi. Que cela revienne à toi. Je récupère maintenant. Je récupère maintenant tout ce que le diable m'avait volé.
parler. Au nom puissant de Jésus, que le sang de Jésus-Christ ramène ma santé, que le sang de Jésus-Christ ramène ma maison, que le sang de Jésus-Christ ramène ma prospérité, que le sang de Jésus-Christ ramène mon travail. Le sang de Jésus ramène mon travail. Le sang de Jésus ramène ma prospérité. Le sang de Jésus-Christ ramène mon mariage. Le sang de Jésus-Christ ramène ma vie. Le sang de Jésus ramène toutes les bonnes choses qui sont attachées à ma destinée. Le sang de Jésus-Christ ramène mon étoile. Le sang de Jésus ramène ce qui est les bénédictions de ma vie au nom de Jésus. Que cela revienne à toi, que cela revienne à toi, que cela revienne à toi maintenant. C'est maintenant le sang de Jésus récupère cela. Le sang de Jésus récupère cela. Il récupère cela. Il va au fin fond du village. Il récupère cela. Il va dans la maison de ton père. Il récupère ce qui t'appartient. Il va dans la maison de ta mère. Il récupère ce qui t'appartient. Le sang de Jésus te fait récupérer cela. Prends-le, fais juste le geste de récupérer. Le geste de prendre. Tu ramènes les mains vers toi. Je récupère cela. Je récupère cela. Je récupère cela au nom de Jésus. Je récupère cela au nom de Jésus. Je récupère ma santé. Je récupère mes affaires. Je récupère mon argent. Je récupère ma force. Je récupère mon bonheur. Mon bonheur. Je récupère ma joie. Je récupère ma paix au nom de Jésus. Je récupère ma force au nom de Jésus. Je récupère mon mariage au nom de Jésus. Je récupère ma stabilité au nom de Jésus. Je récupère, alléluia, ma joie au nom puissant de Jésus. Je récupère maintenant ma prospérité. Je récupère ma fertilité. Je récupère mes enfants. Si tu fais beaucoup de fausses couches, commence à récupérer tes enfants. Le sang de Jésus me ramène mes enfants. Je récupère mes enfants maintenant. Je récupère mes enfants maintenant. Dans le nom puissant de Jésus. Si tu as des problèmes de conception, tu touches ton ventre. Je récupère mes enfants maintenant. Je récupère mes enfants maintenant. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Je récupère mes enfants maintenant. Dans le nom de Jésus. Le sang de Jésus ramène mes enfants. Le sang de Jésus ramène mes enfants. Le sang de Jésus ramène mes enfants. Dans le nom de Jésus. Récupère ton étoile. Tu touches ton front. Le sang de Jésus ramène mon étoile. Au nom puissant de Jésus, je récupère mon étoile. Je récupère mon étoile. Je récupère mon étoile. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je récupère mon étoile maintenant. Dans le nom puissant de Jésus, tu tapotes sur ton front. Amen. Je récupère mon étoile maintenant. Je récupère mon étoile maintenant. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Je récupère mes finances. Je récupère mon travail. Je récupère ma position que j'ai perdue dans le monde. Alléluia. Je récupère ta position. Dans le monde spirituel, on peut te mettre derrière. Et ce qui fait que tu traînes toujours dans la vie. Récupère ta position. Récupère ta position. Ta position de bénédiction. Ta position de force. Ta position de bonne santé. Ta position de marié. Ta position. La belle position que Dieu a préparée pour toi. Dans le nom puissant de Jésus. Récupère cela. Récupère cela. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Que le Seigneur bénisse tous ceux qui donnent leurs offrandes. Alléluia. Et que vos autels puissent parler au nom de Jésus. Que vos autels puissent parler au nom de Jésus. Que tous les autels qui ont été érigés contre vous soient foudroyés par le feu au nom puissant de Jésus. Soient foudroyés. Que le sang de Jésus détruise les autels familiales démoniaques sataniques qui crient contre vous au nom puissant de Jésus. Que le sang de Jésus détruise les autels, les totems de famille qui crient contre vous. Que cela soit détruit maintenant au nom puissant de Jésus. Que cela soit néanti maintenant au nom puissant de Jésus. Que cela soit foudroyé maintenant et que vos offrandes puissent parler, que vos offrandes puissent parler, que vos offrandes puissent parler, que le sang de Jésus parle pour vous au nom puissant de Jésus. Alléluia, au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut dire merci Seigneur? Dis tout simplement, merci Père d'avoir répondu à ma prière. Merci de m'avoir exaucé. Dites merci et ayez la foi. Amen. Parce qu'il nous a exaucé. Dis merci au Père. Père, merci. Merci pour l'exaucement. Merci parce que tu m'as exaucé. Merci parce que tu m'as exaucé. Merci parce que tu m'as délivré. Merci parce que tu m'as libéré. Merci parce que tu as changé encore ma vie. Merci parce que tu m'as mis maintenant sur le chemin de la gloire. Merci parce que tu as enlevé tout ce que l'ennemi avait mis dans mon corps, dans ma vie. Merci parce que tu m'as écouté. Merci parce que tu as changé ma vie. Merci parce que tu m'as exaucé. Oh, je te dis merci. Merci Père. Merci Père. Merci Père. Merci Père. Reçois la gloire, reçois la louange, reçois la magnificence. Merci mon Père, merci mon Père, merci pour l'exaucement, merci pour l'exaucement, merci pour l'exaucement. Dans le nom puissant de Jésus, 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 dans le nom puissant de Jésus. Merci pour la libération, merci pour la libération, merci pour la libération, merci pour la libération, merci pour l'exaucement. Merci Seigneur, reçois la gloire et la louange dans le nom puissant de Jésus. Alléluia, alléluia, merci Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Nous sommes arrivés à la fin. Alléluia, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Alléluia, waouh, waouh, merci Seigneur. Voilà, la connexion aussi commence à partir, donc nous allons nous arrêter là, amen. Oh, merci Seigneur, merci Seigneur. Gardez votre délivrance, gardez ce que Dieu a fait pour vous, gardez vraiment, il a fait des grandes choses et vous allez voir les choses vraiment changer. Que le Seigneur vous bénisse. N'hésitez pas à refaire cette prière.
Vous pouvez la refaire autant de fois, même 20 fois, même 40 fois, plusieurs fois. N'hésitez pas à refaire la prière et le Seigneur vraiment va encore se manifester puissamment dans vos vies. Merci Jésus. Voilà, nous allons nous arrêter là parce que la connexion n'est pas bonne. Si c'est pour vous la première fois d'être connecté sur la tour de prière Semeur, s'il vous plaît, ne partez pas si vite. Cliquez juste sur s'abonner et sur la cloche des notifications. Voilà, abonnez-vous et avant de partir, s'il vous plaît, aimez la vidéo. Aimez la vidéo, aimez la vidéo. Gloire à Dieu. Alléluia. Aimez la vidéo. Alléluia, alléluia, alléluia. Merci Seigneur Jésus. Voilà. Vraiment, ici, je n'ai plus de connexion. Dans la vie. C'est moi. Voilà, merci d'aimer la vidéo, s'il vous plaît. Aimez la vidéo, aimez la vidéo. Et nous sommes arrivés à la fin. On se retrouve donc demain pour notre culte de célébration à 14h. Nous sommes en ligne. Et voilà, demain nous sommes à notre 20e jour de jeûne et prière. Waouh! Donc on se retrouve à 14h pour notre culte. Aimez la vidéo, ne partez pas sans aimer la vidéo. Partagez la vidéo, refaites les prières. Refaites les prières et je vous dis donc à très bientôt. Bonne nuit dans la paix du Seigneur. Et que le Seigneur vraiment vous visite encore ce soir. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. À très bientôt. Ciao, ciao. Shalom, shalom, bien-aimé dans le Seigneur. C'est avec beaucoup de joie et d'empressement que je souhaite laisser ce message qui trouvera, je l'espère, un écho dans votre cœur. Bien que l'impact et les missions de la tour de prière Semeur ne soient plus approuvés, mais qu'au contraire, ils soient appréciés de tous. Nous souhaitons aujourd'hui réaliser un projet fort, ouvrir une maison de prière. Une maison de prière pour tous les peuples sans distinction. Une maison de prière où la prière est au centre de toutes nos actions. Une maison de prière où les enseignements sont donnés dans toute la vérité biblique. Une maison de prière où la communion fraternelle est librement exprimée. En ces quelques points, chers bien-aimés dans le Seigneur, ne sont qu'un avant-goût de tout ce que cette maison de prière pourra offrir au plus grand nombre d'entre nous. Pour l'heure, notre engagement trouve ses limites dans le financement. Je me permets donc de solliciter votre bienveillance, votre considération et votre soutien financier et matériel. Je vous remercie d'avance de l'intérêt et de l'investissement que vous engagerez dans ce projet. Aimer, c'est aussi donner. Que le Dieu de toute grâce vous comble de sa richesse et de sa gloire dans le précieux nom de son Fils Jésus-Christ. Soyez abondamment bénis. Shalom.
Abonnez-vous à notre chaîne YouTube Tour de prière semeur pour plus d'édification.